mes amis poissons, bonjour, je suis très très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois de décembre 2020. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis poissons, qu'est-ce qu'on pourra dire? Vous avez deux arcanes majeures, le chariot et la lune. Vous avez du denier, il y a de l'épée un petit peu, même pas mal. Il y a trois deniers, trois épées et du bâton, un petit peu de bâton. Beaucoup plus d'ancrage qu'à l'accoutumée, avec une énergie d'eau qui vous caractérise sur ce début de mois de décembre. Alors, il y a quand même deux rois, signe trois rois, même trois rois. Donc on voit qu'on est dans une dynamique masculine aussi, plus que féminine, plus... dans une action de les choses sont ce qu'elles sont, voilà. Enfin bref, on va approfondir tout ça en avançant avec votre tirage. Vous avez une énergie qui va durer sur tout le mois de décembre, celle de la transformation. Il y a quelque chose qui relève d'un changement profond, inéluctable, que vous ne pouvez écarter. Alors, il est certain que vous, mes amis poissons, vous êtes le 12e signe du zodiaque et vous avez cette capacité, enfin de toute façon c'est votre mission de vie si j'ose dire, de restituer à l'environnement, de rendre, sans même que vous en rendiez compte d'ailleurs, de rendre à cette aura qui nous entoure, à l'environnement, à cet au-delà, de rendre compte de ce qui s'est passé sur l'année, sur Terre, à travers tout ce que vous avez vécu. Par rapport, ça n'est pas que ce que vous avez vécu, c'est aussi ce que vous avez ressenti à travers les autres. C'est votre signe à vous qui le restitue et qui explique avec toute l'émotion qui est la vôtre ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu et comment ça doit être interprété. Là, clairement, avec la carte de la transformation, il y a un changement qui s'opère, assez fort d'ailleurs, hein, et qui peut traduire une nouvelle renaissance. Donc peut-être que vous avez beaucoup d'espoir sur ce mois de décembre à vouloir vivre quelque chose de nouveau et d'important. Alors pour certains, ça peut être des petits problèmes de santé qui pourraient être passagers, mais, et pour d'autres, un petit côté fataliste chez certains poissons. Mais c'est normal, parce qu'à partir du moment où vous avez l'obligation sur cette fin d'année, et comme je vous le dis, vous ne vous en rendez pas compte, de restituer à l'au-delà tout ce qui a été positif et négatif sur cette année, au niveau donc de l'humanité tout entière, eh bien, ça peut vous apporter de très jolies émotions, de dire ben, on va repartir sur quelque chose de nouveau, comme parfois une forme de pessimisme ou de déception et de voir parfois le côté négatif. Donc ça va être un yin et un yang comme ça constamment sur tout le mois avec des hauts et des bas, mais somme toute ça devrait quand même aller pas trop mal. Vous entrez quoi qu'il en soit sur ce mois de décembre avec la vallée de coupe, une très grande énergie favorable, l'envie de messages, des cadeaux à venir, vous pensez peut-être à Noël pour certains d'entre vous, le plaisir de revoir vos proches, voilà, il y a une forme d'impatience, une forme d'innocence, quelque chose de très joyeux dans votre tête. Vous avez envie peut-être de faire la fête, de retrouver les gens que vous aimez, de leur faire des cadeaux, de leur apporter des messages, à moins que vous soyez dans l'attente d'un message, hein, c'est possible, ou dans l'attente des cadeaux. Quoi qu'il en soit, vous êtes joyeux sur cette rentrée du mois de décembre, ça c'est certain. Votre plus grande force dans l'environnement, c'est la roi de denier. La roi de denier, c'est la personne stable, la personne qui a acquis son trône par persévérance et par courage. C'est une personne qui est probablement quelqu'un qui peut financer. C'est une personne d'autorité masculine, ça peut même être un père, vous voyez, ça peut aller jusque-là. C'est dans votre environnement, ce qui veut dire effectivement qu'il y a une personne qui a cette capacité, si vous voulez, de savoir comment il faut faire et quel chemin il faut prendre pour trouver des directions de vie. Donc peut-être que c'est une personne en qui vous avez l'habitude de prendre des conseils et cette personne-là est tout à fait apte à vous aider financièrement ou apte à vous aider à avancer dans vos projets.
c'est favorable et donc il faut profiter de cette personne donc avec qui est masculine apparemment, hein, donc ça peut être une femme avec une approche masculine, parce que c'est une personne solide d'un certain âge et vous êtes probablement très content ou très contente de retrouver cette personne-là, personne qui peut probablement vous financer, hein, je le répète, hein, ou qui pourrait être le projet, qui pourrait faciliter la mise en place de vos projets. Environnement défavorable, la valet de denier. Ah, la valet de denier, c'est quoi? C'est la personne qui a des idées qui lui sortent de son imagination, avec une certaine confiance, qui a une certaine aura, forcément. Donc ça veut dire que si vous faites part de vos projets à des personnes qui vous entourent, vous allez avoir la confiance de ces personnes qui vont vous suivre, qui vont vous aider, qui vont voir les choses avec beaucoup de bienveillance. Et là, on vous dit que c'est un environnement négatif, en ce sens que vous pourriez peut-être un peu trop rêver, être un peu trop dans l'irréalité, et peut-être que vous seriez capable de vous lancer dans des projets qui ont peu de chances de se réaliser, faute de sérieux, faute d'avoir réfléchi concrètement à comment ça peut se matérialiser. Ça ne va pas être un problème de finance pour vous, parce qu'on veut bien vous aider financièrement, mais c'est plutôt concrètement comment on fait pour mettre en œuvre ce projet qui semble avoir du mal à se réaliser. Hein. Vous, vous êtes très enthousiaste, il y a de la finance derrière, des gens qui vous appuient, mais quand même il y a un petit côté farfelu, semble-t-il, qui vous vient de votre environnement. Alors peut-être qu'il y a des gens qui refusent de vous voir réussir et qui pourraient, bon an mal an, vous mettre en difficulté autour de vous. Peut-être aussi qu'on vous pousse ou qu'on vous invite à faire des projets qui sont très farfelus et que vous pourriez être tenté, si j'ose dire, et ça vous met en difficulté. J'ai même l'impression que c'est comme ça qu'il faut le voir. Attention aux projets farfelus qu'on peut vous proposer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre présent, vous avez la carte de la Lune. La Lune, c'est une émotion qui est un peu transversale, qui est un peu transitoire aussi, et qui consiste, si vous voulez, à faire des rêves qui peuvent être prémonitoires, mais comme si on avait le subconscient ou l'inconscient qui remonte parfois à la surface, et on ne sait pas toujours quand on se réveille si ce qu'on a vécu c'est quelque chose qui va se réaliser ou pourquoi on a fait ce rêve, qu'est-ce que ça traduit. On a peut-être le sentiment qu'il y a des forces obscures autour de nous ou dans les coulisses qui agissent et qui interfèrent pour ou contre nous. Quand on a la carte de la Lune, on ne sait même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, et on n'arrive même plus à distinguer les couleurs de notre environnement. Donc c'est une énergie qui n'est pas très favorable parce qu'elle est ambivalente. Tantôt on rêve, tantôt on vit, tantôt on est joyeux, tantôt on ne l'est pas. Il faut dire aussi que vous avez cette carte de la transformation là qui s'annonce, qui traduit, comme je vous disais, votre nécessité karmique à devoir restituer à l'au-delà les influences positives et négatives, et vous restez peut-être actuellement sur un schéma de je sais pas si ce qui a été vécu est bien ou pas bien, je ne sais pas pourquoi on vit telle chose et pas telle autre, je comprends, je suis plein de joie, plein d'envie, plein de choses, mais quand même je reconnais qu'autour de moi tout le monde n'a pas cette vaillance, tout le monde n'a pas cette gentillesse, tout le monde n'a pas cette aura qui fait qu'on va dans un sens commun de comportement. Alors ça va influencer directement votre inconscient. Votre inconscient, c'est la façon dont vous avez dont vous agissez de façon mécanique, sans le faire exprès, sans avoir conscience de ce qui se passe, parce que votre genèse est ainsi faite, parce que vous avez été créé comme ça, monté de toutes parts comme ça, accentué par votre éducation et votre environnement, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'incompréhension. C'est l'énergie où on se sent un peu prisonnier ambivalente, de se dire « voilà, je me sens enchaînée dans une situation présente que je ne comprends pas, j'aimerais avoir de l'aide pour m'en sortir ». Or, cette 8 d'épée, c'est vraiment dans la tête que ça se passe, c'est vraiment dans l'intellect, parce que il n'est pas question ici, on ne vous demande pas clairement de vous en sortir ou de trouver des solutions. Le seul enchaînement qui existe, c'est un enchaînement partiel fait d'un chaînage qui est facilement retirable, avec des fenêtres où certes il y a des épées qui sont prêtes à tomber, mais la fenêtre est grande ouverte,
Donc vous avez tout à fait la possibilité de vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus beau. Mais comme je vous le dis, c'est parce que vous êtes dans une phase de restitution d'informations que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça vient de votre inconscient et ça agit directement sur votre présent. Pour autant, je vous le répète, vous avez la vallée de coupe, donc il y a beaucoup de joie et avec des gens qui vous entourent autour de vous et notamment cette magnifique roi de denier qui est une autorité mais une stabilité certaine et qui est capable de vous suivre dans n'importe quel projet. Alors, quel est le passé qui remonte à la surface? Eh bien, c'est un passé très positif, mais aussi très autoritaire, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une personne qui détient aussi une vérité au même titre que la roi de denier, mais la vérité du roi de bâton, c'est dans l'action. C'est une personne qui termine un cycle et qui est régulièrement en train de recommencer un nouveau cycle. Vous avez cette carte de la transformation hein, qui se traduit effectivement sur un changement de situation qui va durer sur tout le mois. Mais vous l'avez déjà fait et vous l'avez fait avec cette autorité naturelle, ce chef de file, cette force physique qui est la vôtre. Et vous savez que bah, vous êtes également à nouveau dans ce stade de changement de situation, puisque vous êtes arrivé à une fin de cycle et que vous devez recommencer. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi, dans votre inconscient et dans votre présent, vous ne savez plus trop où est la vérité et où est le mensonge. Comme si c'est vous-même qui n'arriviez plus à faire la part des choses. Alors, dans votre futur proche, le futur proche est très appréciable puisqu'on a la 6 de denier. Clairement, on va aller là prochainement dans une phase de partage équitable dans la relation à l'autre. N'oubliez pas que vous allez aller chercher les bonnes nouvelles ou que vous êtes porteur de bonnes nouvelles, que vous avez probablement bien travaillé ou que vous avez fait ce qu'il fallait tout au long de l'année. Et là, on arrive à la distribution des cadeaux, bah forcément c'est un peu Noël, mais aussi la distribution d'un juste retour des choses. Et on peut voir dans ce futur proche l'investissement, la récompense de l'investissement que l'on a fait. On voit ce vieillard qui avance vers ce dragon chercher son dû. On ne fait pas l'aumône ici, hein. C'est vraiment un cadeau d'amour. Et le dragon donne aussi un cadeau à ce vieillard. C'est voilà, le vieillard a travaillé pour avoir cet argent et le dragon sait qu'il a travaillé, il lui restitue cet argent. Donc c'est un donnant-donnant dans votre futur proche qui, pour moi, reste quelque chose de très positif et de très actif. Dans votre état d'esprit, vous avez encore une roi. Ça fait un roi dans votre environnement favorable, un passé roi qui remonte, mais également dans votre état d'esprit, beaucoup de force intellectuelle, le guerrier paisible. Vous êtes bien dans votre tête, vous avez acquis une certaine autorité avec pragmatisme et une lucidité d'enfer. Vous avez été capable de plonger dans les abîmes de votre existence et de votre capacité comportementale. Vous avez affronté de très grandes difficultés et vous n'avez pas peur de la difficulté intellectuelle et de réfléchir sur vous-même. Regardez cette personne, elle descend, ce roi d'épée descend jusqu'au bord de ce lac de lave. Et regarde le dragon, il était venu là pour l'achever ce dragon, voyez-vous. Et d'ailleurs il a la main sur son pommeau d'épée. Donc, et puis voilà qu'il regarde ce dragon, et ce dragon porte sur lui un bébé, un dragonnet. Et ce dragon n'a pas l'intention de se battre. Ce dragon il est soumis à ce roi d'épée qui apparaît là très très fort. Et ce roi de dragon a ce droit, ce roi d'épée a le choix de trancher, de mettre un terme à l'existence de ce dragon, ou alors de lui laisser la grâce et de le laisser vivre et adopter, si vous voulez, la possibilité de materner, la possibilité de se reproduire, la possibilité de vivre en harmonie ensemble. Donc ce roi d'épée, dans votre tête, c'est celui, c'est comme ça vous vous présentez du moins, c'est l'envie de prendre votre destin en main, c'est l'envie d'être fort, d'avoir ce charismatisme et d'avoir cette autorité sur les autres, mais avec une possibilité de choix, de rédemption pour l'autre. Donc pour moi, ça reste quelqu'un qui a les idées claires et vos idées sont très claires en la matière. Vis-à-vis de la famille et des amis, leur influence, eh bien, elle est plutôt favorable parce qu'on a la 9 de denier. Donc là, clairement, il y a un moment festif à venir,
un moment de partage et peut-être même un moment de repos où vous allez pouvoir profiter clairement des investissements de votre vie et de pouvoir profiter, je ne vais pas dire des investissements, mais d'un retour d'investissement. Donc là, on voit effectivement une personne qui est sur l'herbe et qui est en train de pique-niquer. Elle pique-nique avec son dragon en qui il a confiance. Et puis, il y a aussi tous les animaux de la forêt qui les rejoignent. Donc là, on va clairement, au niveau de la famille des amis, vers un moment de grand partage, de grande joie et d'une forme de prospérité qui ne sera pas remise en cause. Il n'y a vraiment que dans votre présent. Votre présent est fait d'incertitude parce que ça revient de votre inconscient. Et comme je vous dis, vous êtes dans une phase de transformation qui fait que voilà, vous êtes en fin d'année, c'est comme ça. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, magnifique carte, puisque là on a une arcane majeure qui est le chariot. Vous allez vers le succès, c'est un très bon mois favorable. Peut-être que vous allez faire la part des choses hein, par rapport à ce qui vous est négatif et retrouver un certain équilibre. Comme peut-être vous allez vous allier à une personne qui va vous guider à retrouver, si vous voulez, cette... C'est peut-être ce roi de denier là qui va vous y aider à retrouver la lumière qui est la vôtre et à retrouver un but dans votre vie et un but qui soit cohérent avec ce que vous êtes. Donc là, clairement, vous êtes accompagné et vous allez vers le succès, vers la joie et vers un chemin de réussite. Là où ça va tiquer un petit peu, c'est qu'il est possible que dans votre environnement, conséquence donc de vos actions et de votre environnement, c'est que ça crée quelques disputes ou quelques jalousies. Il est possible qu'il y ait des personnes qui viennent vous attaquer sur votre territoire, que vous n'avez pas forcément envie de voir, et ou peut-être que vous allez régler un petit peu vos comptes hein, sur cette fin d'année 2020 avec certaines personnes. Alors c'est possible que les repas de famille pour certains scorpions vont être assujettis à des disputes familiales, de la jalousie, voilà, des règlements de comptes qu'il va falloir revoir. Et auquel cas, ben, ça va créer quelques tensions et quelques transformations, quelques difficultés, mais je pense que tout ça ne devrait être que passager. Alors, mes amis scorpions, si ce tirage résonne en vous, je vous invite à me suivre sur Vimeo en cliquant sur le lien qui est en descriptif. Je vais effectivement recouvrir le jeu en entier avec le tarot du Lucid Dreams et je vais faire son interprétation sur le site Vimeo. Si vous cliquez sur le lien, vous retombez sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de choisir entre location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos générales comme sentimentales. Sachant que l'abonnement n'est pas quelque chose qui vous engage dans le temps. Vous pouvez le prendre ce mois-ci et ne pas le prendre le mois prochain ou à l'inverse le prendre pour plusieurs mois d'affilée ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, on va tout de suite approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette très très jolie valet de coupe ? Sur l'envie d'avoir de... Bon, comme si vous étiez joyeux, festif, l'envie d'avoir des nouvelles, le plaisir de revoir la famille, j'en sais rien, hein, on voit que ça approche. Oh, on a la carte de l'ermite, dites donc. C'est un peu contradictoire tout ça. Bon, on verra ce que ça donnera sur Vimeo, sachant que je peux rajouter des cartes, hein, bien évidemment, lorsque... On va voir en tirant, mais en approfondissant là, mais si jamais c'est pas suffisant, je rajoute des cartes. Hein. Alors, sur votre environnement favorable avec la roi de denier... Parce que c'est l'ensemble des cartes hein, qui va me permettre de vous faire votre tirage précis. Nous avons la 8 de bâton. Alors, il y a quelque chose qui relève de l'empressement. Hein. Événement défavorable avec la valet de denier. Qu'est-ce que c'est? On a deux, mais je ne peux pas les mettre à deux. Il y en a même trois, ça fait trois.
environnement défavorable pour mes poissons. Nous avons la tempérance. Tiens donc. Sur votre présent avec la lune qui vous fait un peu perdre le sens des réalités, nous avons la 7 de bâton. Ben oui, il y a quand même de la méfiance. Vous vous méfiez de quelqu'un dans votre présent. Hein, ouais. C'est pour ça qu'il y a des disputes là. Alors sur votre inconscient avec cette 8 d'épée, nous avons l'as de pentacle inversé. Sur votre passé qui remonte avec cette magnifique roi de bâton, nous en avons deux, je vous les mets à deux. On a la roi de bâton qui est ressortie, donc c'est clair qu'effectivement vous pensez ici à une autorité hiérarchique, ça peut être votre père ou vous-même, hein, si vous êtes autoritaire, avec cette reine d'épée qui est inversée. Sur votre, je vous fais remarquer quand même que sur deux jeux de tarot de 78 cartes, il y a quand même deux fois la même carte qui est tombée, hein, ce qui est quand même assez incroyable. Hein. Sur votre futur proche, avec la 6 de denier, nous avons la 5 d'épée inversée. La 5 d'épée, elle est ici. Hein. Et là, elle est inversée sur votre futur proche. En fait, ensuite, la roi d'épée, je pourrais presque la remettre à l'endroit. On va voir comment ça se traduit. Sur la roi d'épée qui traduit votre état d'esprit, qu'avons-nous? Bon, ça fait beaucoup trop. Pour mes amis poissons, l'état d'esprit du mois de décembre. Les poissons, poissons. Elle a sauté. Nous avons la 9 de bâton. Vous n'êtes pas les seuls à avoir la 9 de bâton. Hein. Il y a beaucoup de courage entrepris. Hein. La famille et les amis vous parlent de la roue de la fortune. Très très bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a dit le chariot et la 2 de pentacle. Je ne suis pas surprise. Et enfin, donc sur l'environnement avec cette 5 d'épée qui est ressortie donc, ici dans votre futur proche. C'est celle-ci qui est sortie en premier. Nous avons la page de bâton inversée. Alors, pour ceux qui me suivent, mes amis poissons, je vais vous tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Il faut pour cela, donc pour ceux qui me suivent, que vous posiez une question précise et la réponse sera apportée sur le site en question. Les amis poissons, nous avons la 4 de pique, nous avons la 6 de trèfle, nous avons, oh, oh là là, la 6 de carreau. Eh oui, quand même. Et nous avons deux autres cartes. Nous avons donc la 10 de trèfle. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu sortir celle-là. La dernière, elle est tombée. Oh, il y en a eu deux. Non, je ne peux pas les mettre à deux. Je suis désolée, mais deux, c'est trop. Après, ça complexifie la lecture. Nous avons ici la 7-8 de trèfle. Alors, je rajoute aussi une carte de l'oracle bleu, puisque je ne l'ai pas fait. J'ai tendance à oublier d'en rajouter à chaque fois. Elle a sauté.
Oh, très bien, très bien. On a le patriarche. Je ne suis pas surprise. Vous avez trois rois dans votre jeu, ce qui revient à dire que c'est l'autorité paternaliste qui reprend le dessus sur ce mois de décembre. Et il est possible que vous ayez à trancher tel un père de famille, ou à moins que vous pensiez à l'autorité de votre père. C'est possible. Père, enfin père, oncle, tout ce qui concerne le côté paternel. Ça peut même être un enseignant, hein. Enfin, mes amis poissons, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais tirer une carte oracle des druides qui consiste à vous proposer de vous inspirer d'un animal totem vénéré par les druides, dont l'idée, si vous voulez, c'est de vous réimprégner d'un instinct animalier que l'on a tous, hein, et qu'on a perdu au fil du temps, puisqu'on s'est un peu divisé les uns des autres et que les animaux sont ce qu'ils sont et nous sommes des humains. Mais si cette intuition existe, c'est parce que nous l'avons imaginée, expliquée et qu'elle est indéniablement en nous. Donc voilà, je vous invite donc. Je vais trier les cartes. Voilà. Hop. Et on va voir tout de suite quelle est la carte qui ressort pour vous aider. Elle est déjà tombée. On vous invite à vous inspirer du lièvre. Parfait, parfait, parfait. Voilà, mes amis poissons, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais aussi à vous abonner pour le suivi de la chaîne. Et dans tous les cas, votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours, si ce n'est pas déjà fait. Et puis également, la roue astrologique qui va être une projection sur l'année 2021 va vous être proposée dans les jours à venir. Comme ça me fait plusieurs vidéos, ça fait beaucoup, je suis obligée de les faire au fil de l'eau. Mais vraiment, je m'y attelle et j'espère vous apporter ça rapidement. Je vous dis à tout de suite donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo et pour tous les autres, à très bientôt. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. Bisous, bisous.